navuga ko hari amahoro iwacu mu gihe tubanye neza n'abaturanyi. Navuga ko umuntu ataba yicura yuko ahura n'ubadasangiye ubwoko. Kama naona hakuna watu wenye kushikilia silaha. Kama kuko security tutasema amani iko. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce débat avec le Parlement régional virtuel. Le Parlement régional virtuel réunit des artisans de paix qui nous viennent de la RD Congo, du Rwanda et du Burundi dans le cadre du projet Paix au-delà des frontières. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Bujumbura, la capitale du Burundi. Et très vite, je m'en vais vous présenter les orateurs du jour. La première, c'est une dame, elle nous vient du Burundi. Elle s'appelle Marie Kana, elle a 50 ans et elle est juriste. Elle a été identifiée comme artisan de paix par l'association Accord Burundi en septembre 2014. De la ville de Butembo, en RD Congo, nous recevrons sur ce plateau M. Eli Kwiravusa. Il est âgé de 21 ans, il est étudiant en sciences politiques. Il a été identifié comme artisan de paix par l'association RACOGE. Et pour les artisans de paix du Rwanda, nous avons M. Cyprien Nsabiyaremye. Il a 34 ans, il a été identifié comme artisan de paix par l'ONG Duhamic Adri depuis octobre 2014. Il ne fait aucun doute qu'en matière de gouvernance, le Rwanda se démarque des autres pays de la CEPGL. Nous allons accueillir en premier lieu donc un Rwandais sur ce plateau. Accueillons tous M. Cyprien. Cyprien, bonjour. Alors, chez vous au Rwanda, que considérez-vous comme étant un défi à relever en matière de gouvernance? Mu by'ukuri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda navuga ko imiyoborere hari urwego runaka imaze kugeraho, ariko burya ngo nta byera ngo de. Ahangaha ndashaka kuvuga ko dufite ikibazo ku birebana n'amategeko y'u Rwanda. Mu kuvuga abaturage b'u Rwanda, hari amategeko amwe n'amwe badasobanukiwe. Ahangaha ndatanga nk'urugero nko ku itegeko rirebana n'imicungire y'ubutaka ndetse na n'itegeko rirebana n'izungura, kuvuga itegeko ry'umuryango, izungura ndetse n'impano. Aha nkongera nkagaruka ku itegeko rirebana n'uburinganire. Mu bigaragara rero uko abaturage babyumva bigaragara nk'aho batabyumva neza. Ndatanga nk'urugero nko ku birebana n'ubutaka, aho rira tegeko rigenga ubutaka u Rwanda rwamaze gushyira ahagaragara, aho usanga abantu batabyumvaho kimwe. Dufate nk'urugero nko kwizungura, aho usanga nk'umumama umwe washyingiwe mbere y'umwaka w'1999, iryo tegeko ntirimureba. Iyo rero aje kwaka umunani mwa basaza be cyangwa se ku wundi muryango wasigaye, havuka ikibazo kuko bahita bamubwira bati itegeko ntirikureba. Yumvikane neza ko baba bataryumvishije neza, bityo u Rwanda tukaba dufite ako kabazo. Wenda tukiri ngaho nyine ingurane cyo ziba nizihe mugihe bamubwiye ati iryo teko ntirikureba, wowe bica bigenda gute? Icyo gihe ahita yumva ko abaye nk'umwana hari utabarirwa mu rugo, bityo noneho agatangira kurema amakimbirane hagati y'abavandimwe. Bityo akavuga ati kubera iki murumuna wanjye abonye umunani, njyewe sinkubone kandi tuvuka mu muryango umwe. Ariko mu bigaragara itegeko ryo rirasobanutse kuri ba bantu bashyingiwe nyuma y'1999, nta kibazo, nta n'ikibazo banafite. Gusa ikibazo kiboneka kuri abo bantu baza bavuga bati natwe turabana mu rugo, ariko mu bigaragara ni ukutabyumva neza ubundi itegeko rirasobanutse. Ahandi nari ngiye gutanga urugero ni ku itegeko rirebana ubutaka bwacu ni butoya, ariko itegeko riravuga ngo hegitari imwe ntikwiye kugabanya y'ubutaka. Ariko
usanga abaturage batarabyiyumvamo neza ariko nzi neza ko buhoro buhoro leta nibijyamo cyangwa se nkatwe abartisan de paix nitubijyamo bazagira bakabyumva neza ikindi noneho ni kwitegeko ry'umuryango aho usanga abagore batarabashije kubyumva neza bityo umugore akirirwa ku kabari yataha mugabo yamubaza bite ugasanga aramukubise aramuhohoteye mu yandi magambo ariko bitewe n'uko umudamu yabyumvise nabi ko asa naho nawe yabonye uburenganzira bwo gukora icyo ashatse bityo ni ikibazo kirebana n'amategeko muri rusange mu Rwanda nk'abartisan de paix rero icyo twimije imbere kuba twakora ni icya mbere ntabwo burya watanga ikintu udafite icya mbere burya turasabwa ko natwe twagira amahugurwa ku birebana n'amategeko amwe namwe tukayagiraho ubumenyi noneho muri bya biganiro byacu dutanga muri babaturage tukajya tuvugaho make ya natwe dufitiye kuyamya kuko ubu ntabwo twakwiga amategeko ngo uhite tuyafata yose ko yakabaye ikindi noneho ni muri bya biganiro dukora ni ugutumira abantu bahugukiwe n'ayo mategeko mwamaze gutangira kubigira twamaze gutangira kubigira ariko ntabwo turagira ku rwego rwo gutumira abantu bazi ayo mategeko ngo baze noneho bahite iyo ni etape ikurikiraho tuzakora mu bigaragara nkarangiza mvuga nti na leta nayo yari ikwiye ku yakongeramo imbaraga kuko n'ubundi isanzwe ibikora ariko none ikongeramo imbaraga igasobanurira abaturage igikwiriye mu mategeko yamaze gushyira ahagaragara murakoze ndumva nagarukiraho ngaho urakoze cyane Cyprien. Alors vous venez d'entendre le point de vue des artisans de paix concerne les problèmes liés aux lois qui concernent l'environnement, aussi le code de la famille, aussi les droits des femmes qui ne sont pas bien comprises entre les femmes et les hommes rwandais. Alors le débat est ouvert, bien sûr, le Parlement a vous la parole. Nagira ngo nongere kuri mugenzi wanjye twebwe nk'abartisans de paix mu Rwanda hari urundi rwego rwitwa MAJE bivuze Maison d'Accès à la Justice n'urwego n'abacamanza n'abanyamategeko bakorera ku karere ariko hari igihe usanga abaturage batazi ko n'urwo rwego ruhari kandi ni ukuvuga ngo ni abanyamategeko serivisi zose bazitangira ubuntu umuturage ufite ikibazo abashobora kugenda bakamugira inama bakanamworienta ariko twasanze hari abaturage batazi yuko n'ayo mahirwe bayafite rero nk'aba artisans de paix mu byo twiyemeje harimo no kubakangurira kubamenyesha urwo rwego kuko serivisi zihatangirwa zose ziba ari ubuntu kandi bagasobanurirwa ibigendanye n'amategeko byose. Nuko ikibazo umuntu yagira ari bigendanye n'akarengane cyangwa se no kudasobanukirwa n'amategeko arashobora kuganurwa rwego ni ku karere bakamufasha bakamusobanurira bakabana mu orientaho yajyana ikibazo cye niba ari ibijya mu nkiko cyangwa se niba ari ibyo ajyana ahandi. Urakoze cyane. Alors se pouvait déjà relever peut-être les forces et les faiblesses des actions de cette action des artisans de paix du Rwanda par rapport à cette problématique de la gouvernance. Vous pouvez passer le micro à madame. Yavuze ko uwo bayarashingiwe imbere y'igihumbi kimwe amajyana 999 nimba nuse neza yuko uwo iryo tegeko ritamuraba ryo gutorana. Nagomba mbaze hategekanijwe iki kuko ikibazo uriya yubatse ntigishobora kuza nubwo iryo tegeko ndumva ko ari ryiza. Iyo agize ibibazo mu rugo hakaba ukwahukana kuko bibaho cyanke yapfakaye ntashobora kugaruka iwabo agarutse iwabo bamufata gute hari igitegekanijwe hanyuma ikigira kabiri numvise ko namwe turashima ingingo ubutegetsi bwagezeho bwo gushyiraho iryo tegeko kandi numvise yuko mukibifise ko namwe ingorane nk'abaritiza mwavuze ko mugiye kubona ko mugiye gushigikira iyo ntambwe hanini hari ibiganiro muragira hagati y'abavuka Rwanda abagabo cyane cyane canke abasore kugira ngo mwumve ico babivuga ko abavukana nabo bigeme mu muryango nyarwanda hari icyo bita umubyeyi yamaze gutanga iminani hari icyo yisigariza icyo gihe amuha kwako gasambu yashigaje cyangwa se akamuha inzu y'urushye ibyo ngibyo byo ni ibisanzwe icyo cyo gihita gikemuka gutyo ikindi mwari mumbajije dufate nk'urugero muri uku kwezi gushize tumaze iminsi dukora na ibiganiro n'inzego zibanze n'abaturage tubumvisha ibigendanye n'icyo kibazo turimo kuganiraho kugira ngo tureke ko twatora umuti wacyo mu bigaragara twaratangiye kandi ni intego yacu nk'uko twabyimije nk'abartisans de paix kugira icyo dukora
ndashimye cyane ico cyumviro avuze uwo mfandimwe wo mu Rwanda ariko ufite akabazo turashaka kumubaza nanje mbega ngo avuze ko hari ngo gusa zo z'amatizo ino iwacu twita igiseke mbega hari iwanyu utomboye akaronka nawo kantu afite uburenganzira bwo kugurisha ikisha kabiri jewe twebwe ino canke ino mu Burundi ababere intambamye igategeye kusha cyane n'abagabo mbega nanwe iyo mu Rwanda muturukamwo abagabo bashikiye bashiki banyu abagore banyu yuko boto igategeye kujye gutorana ryoba murakoze bazore ya mubyeyi yarabajije nagira ngo tumufashe yuko kubihereranya n'abakobwa bashobora kuba bamaze kubona umugabane iwabo abafite uburenganzira bwo kutangaho ingwate kimwe n'abasaza be kuvuga ashatse inguzanyo kuri banki kandi bafite n'uburenganzira bwo kuba yawugurisha ku giti cye kubera yuko aba yaramaze kubwiyandikaho abo rero bamaze kubona umugabane mu miryango basaza babo barabahaye cyangwa ababyeyi babo nuvuga ko ubu bamaze kubwiyandikaho bafite icyangombwa cyabo bwite cy'ubutaka cya kabiri kubihereranye yenda na babandi Angela yabazaga nuvuga ko haba inama y'umuryango niba uwashatse mbira 99 agarutse inama y'umuryango iraterana ikamushyira muri wa mugabane bita ingarigari umubyeyi aba yarasize cya nyuma nuko hari izindi nteko zihari izabunzi ziba ziteguye gufasha abaturage muri urwo rwego ruhereranye n'itegeko ry'ubutaka kuko abunzi bamaze kugenda babisobanukirwaho buke buke Nous connaissons qu'il y a une politique de consolidation de terres, gathering land policy. Mais nous connaissons que la population a du mal à adhérer à cette politique. Et on se demande si réellement la population a été consultée avant de mise en action de cette politique. Binyuze mu nzira y'abadepite twitorera y'u Rwanda harimo umudepite ushinzwe akarere runaka gukurikirana ibikorwa byabo tutarenze kugira kuranda bico kibazo murazi neze ko hari amategeko menshi abadepite barabatora naho bagaserukira abanyagihugu bwa ugasanga abanyagihugu amategeko ntibayumvamo none mu Rwanda abanyagihugu babyakiriye gute babyakiriye neza kubera yuko ubu ngubu umuntu asigaye afite ubutaka bwe cya kibazo cy'imbibi ubu cyavuyeho ikibazo ni imyumvire gusa yitegeko neza ariko ubundi ikibazo cy'amatiku dufate nk'abunzi uko bajyaga bakora baca imanza zigabanya amasambu n'andi ubu gisa naho cyarangiye ikibazo gihari nyamukuru mu Rwanda muri iyi minsi nuko abaturage batazi neza batasobanukiwe n'iby'amategeko ziriya maje Cyprien yavugaga zirahari koko ariko hari abaturage benshi batazizi bivuga ngo nk'umuhanzi w'amahoro icyo umuntu yakora ni ugukangurira abaturage kubamenyesha icyo kibazo kijyanye n'amategeko urebye itegeko ry'ubutaka mu Rwanda mbona ryarakemuye amakimbirane uti kubera iki ubu ngubu buri muntu wese ufite ubutaka afite piyese yerekana kubwo butaka arubwe iyo habayeho ihererekanya ry'ubutaka no kuvuga buvuye kuri umwe bugiye kuwundi itegeko riteganya ko bajya kwa noteri w'akarere bagasinya amasezerano yihererekanya ry'ubutaka none ubu butaka bukava kuri umwe bukajya kuwundi urumva ko icyo gihe nta makimbirane yo kubutaka abakiriho kubera ko byanyuze mu mategeko ikibazo gihari nuko abaturage badasobanukiwe neza batazi neza ibyayo mategeko murakoze mu Rwanda umwigeme cyangwa umugore arashobora umugore ashobora gutorana atangorana eh nta kibazo dans cette législation rwandaise je comprends deux notions principales que peut-être les amis n'ont pas relevées c'est notamment la rétroactivité d'une loi quand une loi a été dictée elle ne rétroagit pas sauf cas contraire Et la deuxième notion juridique que je relève là, c'est le caractère impersonnel d'une loi. Ce sont là les faiblesses de cette législation rwandaise. Du point de vue juridique d'abord, je propose aux artisans des pays ici présents de pouvoir parler avec leurs parlementaires
et de rendre cette loi-là impersonnelle, que cette loi ne vise pas les mariages d'avant 1899 ou d'après, que ça soit applicable à tout le monde. J'ai aimé les prestations que donnent les juristes du Rwanda, déjà d'une manière prodée, c'est bien, mais il faut renforcer la sensibilisation au sein des communautés, mais aussi rendre cette loi impersonnelle. Et voilà, c'est par ici que se clôture le premier débat qui concerne surtout la question de l'héritage au Rwanda, où ça a été une loi qui concernait surtout les femmes, qui n'étaient pas concernées avant par les autres lois qui parlaient de l'héritage. Eh bien, donc nous avons entendu Cyprien parler des actions, de l'action des artisans de paix du Rwanda qui disent, écoutez, la loi n'est pas bien connue par le public, par les concernés. Nous allons essayer de la divulguer, de leur faire comprendre les tenants et les aboutissants de cette loi. Et je vous souhaite donc bonne chance. Vous avez déjà commencé à vous activer sur ce point. Et donc, tout à l'heure, juste une pause et nous allons accueillir le deuxième orateur. Si des trois pays de la CPGL, le Rwanda semble le plus avancé en matière de gouvernance, la RD Congo est le pays qui a incontestablement le plus de potentiel, tant humain qu'en ressources naturelles. Cependant, l'efficacité de la gouvernance est remise en cause dans ce pays. Nous allons très vite accueillir un artisan de paix qui nous vient de la RD Congo. Il s'appelle Eli Kwiravusa. Bonjour Eli. Bonjour. Il y a un dicton qui dit que quand on arrive à la frontière de la RD Congo, on dit ici se termine la logique. Est-ce que c'est vrai? Ça cadre avec l'histoire de bonne gouvernance, de gouvernance en RDC? D'une part, ça se vérifie. Parce que les faits qu'on vit ne sont pas observés de l'autre côté. Donc nous semblons être dans une jungle. Ça a prétention qu'il d'apporter un jugement de valeur aux autorités gouvernementales. Il y a soulevé que la question d'efficacité des actions gouvernementales pose problème. Parce que nous voyons d'un côté la relance des activités qui ne sont pas respectées. Et ces activités, une fois lancées, on ne voit jamais être achevées. Et de l'autre côté, nous voyons, même s'il y a, comme quoi, quelles activités? Disons, la construction des routes, des dessertes agricoles, une fois on se contente de la propagande politique aux médias, on lance, on parle, mais après trois jours, on voit que ça ne va pas et ça n'a jamais été réalisé sur le milieu de la place. Et de l'autre côté, s'il y a des infrastructures qui ont été terminées, achevées, on ne voit pas un suivi de près de ces infrastructures. C'est comme si on vient, on jette un peu sur le lac. Et pourtant, les autorités gouvernementales devraient se donner le courage de faire le suivi. L'exemple pratique, nous voyons le cas d'électricité. En République démocratique du Congo, en Afrique, pourquoi pas au monde, on est les détenteurs d'une grande potentialité de l'hydroélectrique. Mais nous voyons la population, par mois, on peut trouver par chance une seule journée l'électricité. Et quand c'est une seule journée, on amène une facture de 31 jours. Ça se généralise. Et avec ça, nous ne voyons pas que le gouvernement est tellement efficace. Nous avons vu la relance de l'agriculture. On a amené des tracteurs dans les fins fonds de village. Ces tracteurs-là sont devenus des véhicules pour les transports. Et pourtant, c'est venu là-bas pour aider l'agriculture et que la basse classe puisse se retrouver et qu'on puisse avoir quelque chose à manger. Et ces efforts-là sont consentis dans l'intérêt politique pour se créer l'électorat. Et quand on a érigé un petit pont, on se contente seulement en train de faire la propagande, mais on ne sent pas, on ne voit pas le mécanisme de suivi, d'évaluation et par rapport aux œuvres qui sont entreprises par le gouvernement. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas le sens de la redevabilité. Évidemment. Alors, quelles sont les actions que vous proposez alors? Oui, il y a certaines parties dans la République d'où on voit des jeunes qui sont mobilisés pour instaurer cette culture-là de la redevabilité à Goma, à Butembo, Beni, à Bukavu, ailleurs.
Il y a des jeunes qui se sentent être dépositaires de ce devoir-là de demander aux autorités quelque chose, de demander aux autorités le compte rendu de leurs actions au niveau de la base. Qui sont ces personnes? Oui, nous voyons à Goma, nous voyons le jeune de la lutte pour le changement, à Beni Boutembo, nous voyons le jeune de la Véranda. Et partout ailleurs. Ils sont assemblés en différentes organisations comme des associations. Bon, ce sont des mouvements, des réflexions et d'actions qui n'ont rien à voir avec des associations parce que ces mouvements-là véhiculent une nouvelle pensée, une idéologie de demander parce que l'autorité va se sentir redevable quand la population l'a demandé. Donc, pour ne pas plonger et rester la population dans la passivité, ces mouvements-là essaient un peu de voir comment accentuer leurs actions pour stimuler la conscience de la population à demander trop. Parce que plus la population va demander trop, plus les dirigeants vont devenir excellents. Oui, alors les actions directement, les actions que vous envisagez ou bien que vous êtes en train de réaliser, c'est pas... Oui, en tant qu'artisan de paix, nous rassemblons les jeunes. Et ces jeunes-là viennent des différents contrées de la ville et en les transmettant le message, on leur donne la tâche aussi d'aller faire participer ceux-là qui sont restés à des maisons, qui sont restés dans le village à ces actions-là. Est-ce que ça a déjà porté des fruits quand même? Oui, évidemment. Il y a des fruits parce que ce n'est pas comme auparavant où on pourrait se réveiller et prendre une décision. Actuellement, nous commençons à voir les autorités commencer à se contrôler. Le cas qui est pratique, la loi électorale qui est d'actualité actuellement, nous voyons des soulèvements de la population à Goma, à Kinshasa. C'est qu'il y a quand même des évolutions sensibles de la population par rapport à la bonne gouvernance. Merci Elie. Vous avez entendu tous la solution qu'ils proposent, qu'ils ont déjà commencé à réaliser par rapport à cette absence de redevabilité de la part des pouvoirs publics. Alors le débat, il est lancé dans le Parlement régional virtuel. Est-ce que vous jugez cette action peut-être efficace? Est-ce qu'il y a des forces, des faiblesses par rapport à cette action? Par rapport à la proposition que Elie vient de donner, nous avons une politique de pérenniser ces actions en rendant plus responsable la communauté, c'est-à-dire toute la société. Et nous passons au travers de l'éducation civique des jeunes surtout, parce qu'ils sont l'alternative de la bonne gouvernance dans notre pays. Nous organisons concrètement des séances d'éducation à l'université, par exemple, hebdomadairement, par des séances qu'on a appelées « Une heure pour ma patrie » où on conscientise les jeunes par rapport à la responsabilité et à l'exigence que nous devons vers l'État, mais aussi au travers les écoles secondaires et primaires. J'aimerais bien ajouter un élément capital. Au-delà du fait que le dirigeant en RDC semble ne pas avoir trop de sérieux quand il donne des promesses et il ne le respecte pas, le potentiel que nous avons, ce sont nos lois. Nous avons des lois qui sont très bien fignolées, des lois qui nous accordent assez de liberté. C'est comme pour la manifestation, la liberté d'expression. Au fait, c'est des postulats que la RDC a dans son actif et qu'il peut utiliser ou brandir chaque fois aux autorités pour pouvoir réclamer son droit. C'est un pas très positif. C'est juste pour appuyer tout simplement ce que Eddie vient de dire par rapport à l'action. Je vais donner juste l'expérience de notre organisation à Bukavu, parce que nous avons déjà la dynamique des jeunes pour le développement et la paix a déjà instauré, établi une table ronde. C'est-à-dire, l'objectif de cette activité, table ronde, c'est juste pour accueillir les points de vue, les différents problèmes de la population. Et avec cela, on parvient peut-être pour un mois ou deux mois, selon l'horaire que nous fixons, nous invitons soit un parlementaire, il vient, et nous invitons aussi la population qui parle maintenant. Donc on fait un échange entre les députés et le Parlement. D'abord, c'est une façon de rapprocher la population aux autorités ou aux représentants. Et avec ça, il y a au fait aussi des issues. Parce qu'avec ça, on peut mandater le même député. On lui montre effectivement ce que toi, tu vas aller plaider pour la cause de la population. Njyewe nagira ngo mvuge
mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari strategie nyinshi zakoreshejwe kugira ngo u Rwanda rubashe kwimakaza imiyoborere myiza zishobora gufasha abavandimwe bacu b'abakongomani gutera intambwe mu rwego rw'imiyoborere. Icya mbere nuko igihugu cyacu kihaye intego kigomba kugenderaho. Ubu intego y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni irageza mu mwaka w'2020. Naho hari gahunda z'ibikorwa ziteganyijwe igihugu cyagiye giteganya kikavuga ngo mu mwaka w'2020 tugomba kuba tugeze aha, niba ari mu bikorwa remezo ari imihanda bikagenda bishyirwa muri gahunda z'ibikorwa ku buryo umuyobozi mu rwego arimo abavuga ati umwaka uyu niba urangiye tukaba turimo gusatira icyerekezo ese bigeze hehe bigatuma abantu bakorera ku ntego barimo barabikurikiza. Nge numvishe abavandimwe bacu bo muri Congo ikibazo bafite ni imikoranire y'ubuyobozi n'abaturage. Kuko nkurikije ibibazo yagiye avuga, urukumva ko hagati y'abaturage n'abayobozi, abayobozi basa naho batita ku nyungu z'abaturage cyane. Sinzi niba ari abaturage babashyiraho cyangwa se niba ari hejuru babazana bati wehe yobora jya kuyobora hariya, wehe jya kuyobora hariya. Kuko urukumva imikoranire nta. Je voudrais juste nuancer parce que nous avons un problème en RDC, c'est dans le processus électoral. On n'a pas terminé le cycle. Donc pour dire représentation, on devrait commencer. Voilà, présidence, députation, jusqu'en fin fond. Alors nous comme artisans de paix, on devrait passer par nos représentants locaux. Il y a des maires de la ville qui ont été nommés. Ce n'est pas nous qui les avons mandatés. Alors voilà, il y a un écart entre nous, le gouverné, et les gouvernants. La solution, c'est que le cycle même électoral arrive à la fin. Merci beaucoup. Et c'est par ici que prend fin ce deuxième débat qui concernait la gouvernance en RDC Congo. Vous aurez compris qu'il n'y a pas cette interconnexion entre le peuple et les pouvoirs publics qui ferait que les pouvoirs publics se sentent un peu redevables envers le peuple pour qu'ils donc fassent des promesses qu'ils pourront tenir. Alors nous allons marquer une courte pause, une pause en musique, et nous allons accueillir sur ce plateau l'artiste Gate. C'est un artiste qui nous vient de Bukavu en RD Congo. Alors j'ai fait juste une petite présentation, Gate qui nous vient de Bukavu. Alors tu peux un peu peut-être essayer de nous en dire plus. Oui, je suis un artiste Gate, je viens de Bukavu, précisément dans le quartier Ngouba. Ouais, tu vas j'ai jouer. Choisi un morceau par rapport à ce que nous sommes en train de discuter ici. Moi je pense que nous, comme on est artisans de paix, on devait commencer par nous-mêmes d'abord, parce que voilà. Le gouvernement, selon moi, vient au second plan. Alors, la seule chose que je peux d'abord demander à nous, artisans, et surtout pour la population des pays des Grands Lacs. Et à travers la chanson, donc. À travers la chanson, je dis... Et il est temps pour moi d'essayer comment changer. Et c'est le temps pour tous. Time to change and take another way. We can try donner l'amour à nos prochains. Na kupiganisha mabaya tunayoishi nchini mwetu. Et c'est le temps pour tous se tenir la main dans la main. Sasa ni tamu kwetu kuinuka na kusema kwa sauti. Hatutaki vita, hatutaki tena, tunataka kwa umoja tujenge taifa ya Afrika yote. It is time to make a change. We can try again, c'est la haine qu'il faut chasser. Any time to make a change, we can try again, c'est notre vie qu'il faut aimer. Mauaji, ubakaji, hatutaki tena, tokutika yango eboma, mboka na biso.
Acclamons tous l'union de la jeunesse d'Afrique pour vivre l'amour et la paix. It is time to make a change. We can try again. C'est la haine qu'il faut chasser. It is time to make a change. We can try again. C'est notre vie qu'il faut aimer. C'est nos amis qu'on aura aidés. Et c'est dans la joie que je chantais. Tout à chine la vita. Voilà. Merci beaucoup, David. Alors, le titre de la chanson, c'est We Can Try Again. Yes, we can try. Chante again. En anglais, en français, en swahili, en lingala. Ouais. Et voilà, c'est pour que tout le monde entende. Dans nos applaudissements, Gate, qui nous vient de Bukavu. Merci. Au Burundi, les artisans de paix ont décidé d'aborder la question de la représentativité de la femme au poste de prise de décision. Et ce n'est donc pas étonnant que ce soit une femme qui vienne nous en parler. Nous accueillons sur le plateau Madame Marie Kana. Alors, Madame Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, alors, de plus en plus de pays promulguent des lois qui concernent la participation de la femme dans les postes de prise de décision parce que c'est devenu vraiment une question mondiale. Alors, pourquoi estimez-vous, vous les artisans de paix du Burundi, pourquoi estimez-vous que c'est prioritaire d'aborder cette question ici dans le Parlement régional virtuel? Nakoze cyane twebwe iwacu abartiza twabonye yuko icyo kibazo ari inkora mutima kubona abakenyezi badaserukiwe bikwiye mu nzego zifata ingingo ego turabona ko hari akarishuko ariko karabaturavye ukuntu yarusha bari bavuze ko baduha ibice 30 utona ko ariko haradwa ko bikeye bika ariko natwe twashika yuko barabirengeje gatonya ariko twashaka ko natwe twitwa ko kwigana nko mu gihugu kibanye mu Rwanda bamaze gushaka ibice 18 nico gituma yake twavuze tuteka turabe ico kibazo natwe ukuntu twogikora kugira ngo turabe ko natwe mu nzego abakenyezi bose rukigwa na kare turavye abanyagihugu ba mu Burundi abakenyezi nibo benshi cyane twebwe rero nk'abamenyesha amahoro ico twabonye twofasha abanyagihugu bacu niki nuko bwa mbere na mbere kwanza tukaraba abakenyezi n'abakobwa baserukira abandi tukabigisha amategeko abagenga muri ayo mategeko tukabereka ibyo ibwirwa shingiro ribarekurira n'ibyo amategeko mpuzamakungu arekurira umukenyezi wari we wese n'ibyo baturekurira nuko umukenyezi wese arafise uburenganzira bwo kujya gutora no kwitoza no kujya mu mashyirahamwe ashaka tuzogira n'inyigisho ku banyamigambwe kugira ngo bashire abakenyezi hafi hajya bahora afata bati abagabo bane n'umukenyezi umwe basi batume bunguruza bagire abagabo babiri n'umukenyezi umwe muga ibyo byose bizova mu kuntu abakenyezi nabigeme bazaba babishize mwishaka kuko n'abavise uruhara runini n'inyabategeza kwiruka kuko byose birarondegwa nta kintu na kimwe kizana ngaho onye nuko natwe tukuhagara tukabishimikira ko tukagoma tubisaba uko tuzogoma tubisaba nuko nabo badotinda bumve yuko amatwi yarushe hama bumve yuko boshaka kurucikira ku byo twifuza ico gihe rero turasaba na leta kuko hariho amategeko amwe dusanga ari mu rurimi rw'ikinofunofu abanyagihugu benshi badashobora kumva neza amategeko ari mu gifaransa le texte zero adote ziri mu gifaransa twosaba rero yuko bosha kuyahindura bakayashyira mu kirundi kuburyo n'igihe bazaba bariko barayigisha abantu bashobore kuronka utudepriye bashobora gutahana muhira aho bari hose baze baradusoma kugira baze baratwiyibutsa tugasaba ko nabo bajejwe imigambwe yuko navyo nibizova mu biganiro kuko na leta iyo bamaze kumvikana
ibice bahereza abakenyezi nuko byose biva mu mwumvikano wabagize ibya bice 35 cyangwa 40 twaratugeze ko babiduze dushike ku 50 mere n'ibice 60 kwijana. Et voilà, merci Marie. Vous aurez compris que c'est un exposé vraiment très ambitieux. Les femmes artisans de paix ici au Burundi veulent atteindre au moins 80% des postes de prise de décision. Elles veulent qu'elles puissent leur appartenir. Alors le débat est déjà lancé. Vous avez compris que les actions envisagées, c'est justement la sensibilisation de la fille et de la femme burundaise. Et voilà, donc là, des interventions. Monsieur, vous n'avez pas encore pris la parole. Ninashukuru kama nimesikia ya kwamba mama alisema juu ya wanawake. Ilisema ya kwamba kama ameanza na 30%, wakafika 50%, wakafika 70%. Hivi leo wanakimbilia ku 80%. Ikiwa anaweza kufanya makazi fulani fulani, wanawake wanajiashiria wenyewe. Ikiwepo ni wakati wa uchaguzi, wanawake njoo wengi kupita wanaume. Lakini kama mwanamke anafanya kandidatiri, wanaangusha mwanamke asipite na wanapandisha mwanaume. Hapo mwanamke anaonekana kama anajiashiria mwenyewe kusudi asiende mbele. Ikiwa wanawake wangeliweza kufikiri na kuweza kufanya ile election na wanachagua mwenzao mwanamke, hakuna mwanaume anaweza kusema apite mbele wala awe presidenti wa nchi, isipokuwa wanawake ndio wanaweza kupita mbele. Voilà, je me tourne encore une fois du côté des parlementaires virtuels, peut-être ceux qui n'ont pas encore parlé, peut-être madame là derrière. Nagirango babwira yuko uri amubyeyi wifuza ko baba benshi mu nzego ni byiza kuko nzego zirimo abayobozi b'ababyeyi amahoro arushaho kwiyongera. Mpere iwacu mu Rwanda twari tuzi ko ubuyobozi bugomba kujyama bize gusa. Ariko baramanutse bamaze kubona ubuyobozi hejuru baramanuka mu byaro, twajyaga mu matora tukajya kwihisha ngo batadutora, ariko twamaze kwinjiramo babona kimwe gishoboye ejo bakagutorera ikindi. Wenda nihereyeho nabanje guhagarara abagore mu murenge nk'imyaka 4, mbangiye mu bunzi bakagari, mbangiye mu murenge. Ni ukuvuga ngo ibibazo tubikemura neza, ibirimo abadamu nta bidindira cyane. Nanjye nifuriza Abarundi kazi kuzabona imyanya mu buyobozi. Murakoze. Voilà, il y a madame qui dit que plus il y a des femmes dans les postes de prise de décision, plus il y a au moins la paix, plus de paix que quand il y a des hommes au pouvoir. Est-ce que c'est vraiment le cas? Hari ngorane tugabigasaba ko turondera umuti mu nyigisho tuzogira mukwashigikira. Hariho ingorane y'ukutemerana bonyene, tubanze duheraho nyene baduge bumva neza yuko umukenyezi ashoboye kandi ashobora kwemera mugenzi we. Ntanze nk'akarongaho hagiye bavuga ati umukenyezi runaka bamushize muri ibi naje ngaho imbere aseruke, uzubona abakenyezi bonyene aribo batangura kugira ante ngo yazobishobora. Nagomba yetu zoheraho nyene nivyo vraiment kuja kuri 50 equilibre bariza cyane kandi byo nubwo kare bonyene bazokwitorera umuti w'ico kibazo ne bonyene bonyene. Okay, muri sensibilisation umuti wa mbere tuheraho nyene tayo kubigisha igene bashobora kwiyemera kugira baduge atangura. Urakoze cyane. Hajye nyuma haraba ariko barasaba mikro. Nje kongera ko kucyumviro cha madame Kana Maria vuze. Baravuze ko kumbure twe dukura namwe tutashigikirana. Nivyo sivyo? Oya nivyo. Hariho ko yavuze ati barabahaye ubu twebwe dushaka kuzokwiha kuki baduha nk'abatunotoreye. Nico gituma dushaka guhagurutsa abakenyezi nabigeme bamenye kuja mu bandi nimba ari mu migambwe bayijemo mu mashira hamwe bayijemo abayajemo kugira ngo bashure kubona. Ego rwose cyane, reka turabe abandi bava muri Kongo cyangwa mu Rwanda gicwa dushikirize. Nagire nkebure uyo mu mfandimwe aba muri Kongo avuga yuko twarose 30%. Nuko twashima leta yashoboye kubikora ubonye ko ntwazerutse niba bazaye byiza cyari nka 2%. Ariko
arikavuga yuko tutemerana ubu rero tushaka tubwira abanyarwanda aba n'abakongomani ubu twaravuye hasi twagurutse ubu turi gusa guhimiriza abakenyezi kuva urya mutondo gushaka hejuru ubwa mbere kwiyandikisha kuko utandikije ngo uza gutora kuzotorwa ubu kandi twa tuti ku munsi w'abatora kuva ko kuvyuka kare kubwiza ati twagiye gutora kugira dushikirane 50% twibera mu ntuki kashe leta irusizemwo ni kashe 50% kandi leta y'umuvyeyi nazije uko izobiduha murakoze tumaze kugira amatohoza kwego baratiza ndope bi Burundi twarabonye ku mukenyezi yabaye kirumara mu mahoro n'iterambere no naka gahembwe dufise ubu kumukenyezi nawe yagize ikintu kidasanzwe yaterereye mbere ko yuko acyo tutangura gutanga nakarero uravye nki muri akoro nk'abaratiza ndope dufise ni 12 muri abo 12 abakenyezi twarabahaye kibanza kidasanzwe ku buryo bwo twabahaye ibibanza bitanu muri 12 umva ko yatratije twe kwahirengeye kugira twerekane ko abakenyezi tubemera kandi ko tubona ko bashoboye tumaze kwisunga mwabarondeye gute niwe bizanye cyane ego abo bakenyezi ingene batowe harabaye guhimiriza mu bibano aho babaye bamaze kubuguhimiriza aho babaye turahimiriza ko nabakenyezi nabo ubwabo bo kwitoza bamaze kwitoza kubera ko mu kibano babaye babonye byinshi bakoze kandi biba byiza gusumba bakiba bashira imbere urana ko rero turiko turagerageza kuduga hama rero icyo turiko turahimiriza kandi tumaze kubona ego iryo kosa bavuze ryo kabakenyezi ku ruhande rumwe batemerana ako karagaragara naho kadafashe ariko twavuze duti iweri serutse niba ikishye isuka tuko turagerageza kumiriza rero nabajya abakenyi batakwemera abandi bakenyezi bagenzi babo bagire kwanze umutima wo kwemerana ku rugero rushemeye hama kandi turiko turasaba ko abanyamigambwe biciye mu biyago nabo ntibakumira abakenyezi niba bahaye akajyo kuko naye amahoro dufise barimo mu badufashe gira ngo tuyaronke hama maze kwa akajyo bitoze hama ibintu bizogende neza sakoze cyane reka duhe ijambo urya mfasonera y'inyuma. Les hommes doivent comprendre que leurs femmes peuvent tout, leurs femmes sont capables de faire tout ce que les hommes aussi peuvent faire. Et autre chose, les femmes doivent cesser de se sous-estimer. Mais aussi dans les campagnes, ils doivent inviter les leaders communautaires, les leaders locaux et surtout les chefs coutumiers parce qu'il y a des femmes qui souffrent encore de leurs coutumes. Dire que la femme ne peut pas se mettre devant les gens et ne peut pas parler devant les hommes, cela aussi fait souffrir quelques femmes de nos communautés. Et voilà, c'est pas ici que prend fin fait le débat qu'il y a aujourd'hui qui concernait la question de gouvernance dans la sous-région des Grands Lacs. Vous avez entendu que en RD Congo, eh bien, il y a cette redevabilité des pouvoirs publics qui n'est pas encore ancrée dans les mentalités, surtout de ceux qui tiennent l'administration. Et les artisans de paix font tout pour sensibiliser, surtout qu'à partir de la jeunesse, donc le peuple soit quand même exigeant envers les pouvoirs publics pour qu'il y ait toujours des promesses tenues et non des promesses qui ne sont pas tenues de la part des politiciens. Rwanda, vous avez entendu parler que la question de la redevabilité est bien ancrée dans les mentalités jusqu'à figurer dans, non seulement dans les lois, mais aussi dans la vision 2020 et que les pouvoirs publics répondent de leurs actes. Au Burundi, la femme dit qu'il faut plus de participation de la femme dans les postes de prise de décision et que cela pourra peut-être ramener la paix au Burundi jusqu'à pouvoir atteindre 80% des postes de décision. Et courage, Madame Marie-Rose et tous les autres artisans de paix et femmes. Nous vous souhaitons bon courage pour arriver à 80%. Peut-être que la paix va revenir sur le Burundi éternellement. Nous remercions surtout aussi les téléspectateurs qui nous avaient suivis. Le Parlement régional virtuel, c'est un Parlement donc, qui réunit, je vous le répète, les artisans de paix venus du Rwanda, de la RD Congo et du Burundi. Il faut savoir qu'il n'y a jamais de siège vide. Le quorum est toujours à 100%. Il n'y a jamais d'absent. C'est dire que les artisans de paix tiennent à cœur donc pour faire essayer d'œuvrer pour le retour de la paix, la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Et nous continuons donc à recueillir vos avis et considérations en ce qui concerne la bonne gouvernance, la gouvernance dans la sous-région des Grands Lacs. Eh bien, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail, c'est Parlement Régional Virtuel, en un seul mot, @gmail.com, ou bien cliquez sur Facebook, sur la page Paix au-delà des frontières. Merci.